Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en février, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Alors le mois de février a bien commencé, puis j'ai un petit peu traîné en quelque sorte vers la fin parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer, des offres d'emploi à envoyer, une passion pour le groupe coréen, les BTS, qui m'a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai un peu moins lu. Voilà, donc j'en ai lu du coup 5 au mois de février. J'ai failli en lire 6 avec Des hommes sans femmes de Haruki Murakami, que je n'ai pas terminé puisqu'on est le 1er mars. J'en suis à la moitié, donc je ne triche pas. Il fera partie du coup de mes livres lus en mars. Voilà, c'est comme ça. Alors le premier livre que j'ai lu en février, il s'agit du recueil de nouvelles de Franck Tillier, Au-delà de l'horizon et autres nouvelles. Du coup, qui est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique, qui est sorti tout début janvier. Alors Franck Tillier, je vous en parle hyper souvent, donc je vais essayer d'abréger un petit peu. C'est l'auteur français de thriller le plus vendu en France, avec Karine Gibel, enfin vraiment, voilà, j'ai lu tous ses livres, il en a écrit genre 18, il en sort un par an, à chaque fois en mai. Et cette année, annonce officielle dont je suis hyper contente, il sera au Quai du Polar à Lyon, où je vais aller parce que j'ai trop envie de rencontrer certains auteurs, notamment lui, Michel Bussi, Luca Di Fulvio, Lisa Gardner, enfin plein d'auteurs et d'autrices que j'adore. Voilà, du coup, dans ce recueil de nouvelles, en fait c'est la première fois qu'il en sort un, les histoires sont à caractère un petit peu fantastique, ce qui est assez loin de son écriture de prédilection, qui est souvent très réaliste, ancrée dans le réel. Et ensuite il y a des éléments horrifiques, un peu gore et tout, mais c'est toujours très réel. Et là on a des éléments assez fantastiques, comme la nouvelle Carib des Skylla, qui n'est pas du tout ma préférée, mais en gros où il va y avoir une vie réelle et une vie fictive en fait pour les gens. Donc ça c'était assez bizarre. Dans Au-delà de l'horizon, c'est une histoire ancrée dans le réel, où des scientifiques vont être regroupés dans un endroit du monde qui leur est inconnu. C'est une mission secrète pour en fait les préparer à aller sur Mars et voir s'ils peuvent gérer avec ça au niveau d'être coupés de leur famille, s'ils gèrent bien leur approvisionnement de nourriture, d'eau et tout ça. Donc ça c'était vraiment très très bien. On a Double Jeu également, qui était déjà sorti seul, qui en fait met en scène deux artistes, l'un copiant possiblement l'autre. Et en fait c'est plus profond que ça, ça fait appel au psychologique et tout ça. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui abordent des thèmes très différents. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisserai l'article sur mon blog où je vous détaille un peu tout, chaque nouvelle, sinon ça va prendre 10 ans. Donc forcément il y en a que j'ai préféré, il y en a que j'ai moins aimé. Mais de façon générale c'était quand même super super chouette. Et les nouvelles, je trouve que c'est une façon de découvrir la plume de l'auteur de façon un peu plus tranquille, quoi, parce qu'il parle de plusieurs sujets différents, de plusieurs histoires différentes, donc je trouve que c'est un bon moyen de découvrir un auteur. Le second livre que j'ai lu en février, et je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé ou pour lequel j'ai eu le plus de difficultés, où je suis le plus mitigée, on va dire, c'est Emma de Jane Austen. Je vous faisais des stories sur ce livre aussi sur mon Instagram, n'hésitez vraiment pas à me suivre là-bas parce que je fais beaucoup de stories tous les jours pour vous annoncer mes vidéos, mes articles, je vous parle de plein de trucs en rapport avec la lecture. Et en fait, il fait partie du coup de l'édition hiver sur The French Book Club, puisqu'avec Olivia, en fait, on a créé 4 éditions saisonnières en plus des éditions mensuelles pour lesquelles nous deux, on choisit un thème et on propose des titres. Et cette fois-ci, c'était sur nos coups de cœur. Donc Emma, c'est un coup de cœur d'Olivia. En plus, il était dans ma bibliothèque, donc ça tombait très bien, j'avais très envie de le lire, donc je l'ai fait. Mais voilà, donc on va suivre Emma Woodhouse, qui vit avec son père dans une grande maison. Elle fait partie de la bourgeoisie, elle a 21 ans, un âge où toutes les jeunes femmes de son âge se marient, sauf qu'elle n'est pas du tout dans ce trip là, alors que c'est en 1800 et quelques, hein, je remets quand même les choses dans leur contexte. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça cool, la figure d'une jeune femme assez forte qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Son père ne la pousse pas forcément à se marier, j'ai trouvé ça très moderne donc quand même, une jeune femme assez féministe. Mais du coup elle va pousser tous les autres à se marier, elle va un peu être l'entremetteuse, Cupidon, mettre les uns avec les autres, donc ça c'est assez drôle. Et un jour il va y avoir une jeune fille qu'elle va prendre sous sa protection qui s'appelle Harriet Smith,
parce qu'en fait elles habitent dans une espèce de d'endroit pour éduquer des gens et tout ça, et Harriet Smith va travailler avec elle, ou elle va être étudiante, je ne sais plus trop. Et cette jeune fille est un peu simple d'esprit, on va dire les choses gentiment apparemment. Et donc elle va essayer de marier Harriet avec quelqu'un, où elle ne va jamais être contente du prétendant que de Harriet. Enfin, elle va essayer de la dissuader et tout. C'est assez bizarre parce que du coup on se dit, est-ce qu'elle souhaite vraiment marier cette jeune fille? Et à un moment en fait on se rend compte qu'elle est jalouse que elle, Emma, ne soit pas au centre de l'attention, même si elle ne souhaite pas se marier. C'est comme quand vous ne souhaitez pas être en couple, mais quand vous êtes quand même bien content, bah, que les gens s'intéressent à vous, quoi. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça assez drôle. Donc il va y avoir quand même beaucoup de personnages, je vous avoue que je les ai assez confondus entre eux, notamment les hommes, les monsieur bidule, les monsieur bidule machin. Là c'est un petit peu... ça m'a un petit peu embrouillé l'esprit, du coup il fallait que j'aille... que je relise un peu, que je me remette dans le contexte et tout. Donc il va y avoir un prétendant pour Harriet, Emma va lui dire que ce n'est pas le bon, elle va en avoir genre 3. Emma, à la fin, est-ce qu'elle se marie, est-ce qu'elle ne se marie pas, je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, il y a également un très bon ami de la famille qui s'appelle Monsieur Knightley, qui lui aussi va avoir un crush pour l'une des deux, voilà. Le livre, en fait, j'ai eu du mal à me mettre dedans. D'une, parce qu'il y a trop de personnages. De deux, parce que j'ai trouvé ça très éloigné de ma réalité, quoi. Faire uniquement des soirées, vivre un peu à travers les autres, et vraiment avoir des préoccupations de la vie pas très graves, quoi. Parce que vraiment, elles sont en mode « Ah, tu devrais te marier avec lui » ou « Pas avec lui » ou « Va cette, à ce dîner » et tout. Enfin, vraiment, moi, j'aurais leur vie, je me tirerais un peu une balle, quoi, parce qu'elles font rien de leur journée, clairement, qu'on soit honnête à cette époque-là. Et voilà, c'est très loin de ma réalité, c'est un peu... voilà, mais c'était quand même assez fun, on va dire. Ensuite, j'ai lu Crappy to Happy de Cassandra Dunn, que je vous présentais dans mes nouveautés lectures que je vous laisse juste ici. Je l'ai du coup acheté à Londres chez Urban Outfitters. Si vous ne le savez pas, l'enseigne américaine propose plein de livres, voilà, en plus de leurs vêtements, de leur make-up, de leur déco et tout. C'est vraiment un magasin que j'adore quand je vais aux États-Unis ou quoi. C'est trop bien. Donc en fait c'est un guide donc en anglais, mais je vous le disais en story, c'est très facile de compréhension, c'est écrit très gros donc ça se lit très vite, mais en gros c'est un guide donc écrit par une Australienne qui est psychologue et coach de vie en fait, qui nous donne les clés pour devenir, alors crap en gros, quand tu dis crap dans une phrase ça veut dire merde, c'est qu'il y a quelque chose de très négatif, genre I feel like crap, c'est genre je me sens comme une merde, je me sens mal, je me sens patraque et tout. Donc en gros, de merde à heureuse, se sentir pas bien à heureuse, voilà en gros. Donc en fait elle nous donne les clés pour vivre sa meilleure vie, donc voir les choses avec positivité, se dire que toutes les choses qui arrivent c'est pour une raison, qu'il faut essayer de les tourner dans un sens positif, que si elles échouent, ce n'est pas un échec mais une expérience. Et ça, ça m'a beaucoup parlé puisque c'était exactement mon état d'esprit du moment en fait. Essayez vraiment de voir les choses avec positivité dans une période de ma vie qui n'était pas simple du tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de m'entourer de ce genre de lecture, de regarder des vidéos qui te font te sentir mieux, quoi. Voilà, qui te rappellent qui tu es vraiment, les qualités que tu as. Voilà, c'est pas parce qu'on ne te répond pas à... aux offres d'emploi auxquelles tu as postulé ou que des gens t'ont rayé de leur vie que tu es une merde, littéralement pas du tout. Qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Essayez aussi de ne pas trop se martyriser dans une situation et de ne pas trop s'en vouloir, par exemple, d'être assez compassionate, d'avoir de la compassion pour soi-même, quoi. Essayer de se donner du temps pour soi, donner du temps aux autres, être curieux, enfin vraiment plein de choses qui amènent à vivre sa meilleure vie et ça m'a pas mal aidé. Je vous le conseille vivement si vous comprenez un petit peu l'anglais. Ensuite, l'avant-dernier livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit de La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, que nous avions élu au mois de février sur le thème Feel Good sur The French Book Club. Pour le coup, je trouve que le titre était totalement approprié au thème Feel Good. C'est un thème qui m'a fait beaucoup de bien en février, donc voilà. En plus, c'est un livre que je souhaitais lire depuis hyper longtemps. Donc en fait, il y a
3 tomes, voilà. Et vraiment, littéralement, je souhaitais les lire depuis hyper longtemps. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai eu une phase roman de comédie avec genre Isabelle Wolf, Sophie Kinsella, donc L'accro du shopping, enfin ce genre de livre-là. Et ça me rappelait ça un petit peu au niveau du style un petit peu léger, frais et qui fait du bien. Voilà, ce n'est pas le genre de lecture que je vais lire tout le temps, parce que moi, quand je lis, j'ai besoin aussi d'être dépaysée, mais qu'on m'apprenne des choses et ouais, apprendre des choses et lire parfois des choses un petit peu plus profondes quoi. Mais pour autant, je l'ai trouvé très bien, alors qu'il a pas mal été critiqué. Avec Olivia, on a un peu du mal à comprendre, parce que les filles disaient qu'elles trouvaient le personnage principal assez cliché et tout, mais moi je les ai bien aimés. Donc on va suivre Polly, qui est une jeune femme qui habite Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est une grande ville apparemment. D'accord. Parce qu'en fait, elle a quitté son copain qui s'appelle Chris, enfin ils se sont quittés tous les deux. En fait, ils avaient une entreprise qui a fait faillite et leur couple n'a pas survécu, ni leur business. Du coup, elle décide de tout quitter parce qu'elle n'a pas du tout envie de vivre chez sa meilleure amie Kerenza. Déjà, est-ce qu'on peut parler de ce prénom? C'est quoi ce prénom? Du coup, elle trouve une boutique sur une île qui s'appelle Mount je sais plus, j'ai fait l'article avant-hier, je me rappelle même plus. Et elle décide en fait d'aller visiter, elle va habiter là-bas alors que c'est un endroit totalement abandonné, où il fait froid, un petit peu insalubre et tout ça. Donc elle va tout remettre tout propre, elle va se mettre à faire du pain, ce qui était une de ses passions dans sa vie en fait. Et en fait, petit à petit, elle va créer une boulangerie. Voilà, au début elle fait du pain pour elle. Ensuite, les pêcheurs vont vouloir en goûter. Donc voilà, elle va monter un business dans la boulangerie qui est en fait en dessous de la boutique où elle habite. Et voilà, donc en fait sa propriétaire, c'est une vieille femme super, pas sympathique du tout, qui s'appelle Madame Mance. Et qui est en fait la boulangère et qui propose des trucs absolument dégueulasses. Et du coup, elle va vouloir faire des vrais pains, créer une vraie boulangerie. Donc elle va travailler avec Madame Mance dans cette aventure, mais dans son local toute seule. Voilà, donc elle va travailler de ouf. Du coup, elle va penser à autre chose. Elle va guérir, rencontrer des gens. C'est vraiment une histoire très feel good. Il y a sa meilleure amie qui va venir la voir. Elle va être un peu amoureuse d'un pêcheur qui s'appelle Tarney. Elle va bien aimer un apiculteur qui est américain également, qui a quitté Savannah en Géorgie pour venir sur cette île là pour penser à autre chose, mais elle ne sait pas pourquoi, qui s'appelle Huckle. Et voilà, donc il se passe pas ultra trop de trucs, mais c'est bien de voir comment quelqu'un se remet d'une situation difficile. Ça m'a forcément parlé, j'ai trouvé ça très très chouette et j'ai acheté le tome 2 et j'achèterai le tome 3, donc je vais pas le lire tout de suite, mais vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Et le dernier livre que j'ai lu en février, c'est Dracula de Bram Stoker, que je vous présentais dans mon challenge de mes classiques à lire en 2020, comme Emma de Jane Austen. Donc en fait j'ai lu deux classiques en février, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai lu Ma cousine Rachel en janvier, donc ça fait déjà 3 sur les 8 ou 9 à lire en 2020 que j'ai lu en 2 mois, on est content. Donc du coup, en fait, j'ai eu une phase vampire quand j'étais ado, comme les romans de comédie, les mangas et tout ça, avec Twilight, Journal d'un vampire et tout ça, et j'avais forcément très envie de lire le livre le plus connu qui a vraiment mystifié et qui a créé ce mythe du vampire, bien que ce ne soit pas le premier roman, je précise, qui parle de la figure fantastique du vampire, mais c'est le plus connu. Du coup, ce roman là qui fait quand même 600 et quelques pages, ce n'est pas déjà un roman, mais en fait des extraits de journaux des personnages principaux. Voilà, donc on a plusieurs personnages. On a Jonathan Harker qui va dès le début du roman aller en Transylvanie à la rencontre du comte Dracula pour le compte d'un autre homme qui ne peut pas se déplacer, il me semble. Donc ça se passe durant le premier cinquième du livre, on va dire, jusqu'à la page 150 et quelques. Il va être retenu prisonnier dans ce château, il va bien se rendre compte, et il y a des portes qu'il ne peut pas ouvrir.
Le comte Dracula, il ne le voit jamais manger. À un moment, il va le trouver dans un cercueil. Il va le voir se transformer en un animal bizarre. Donc là, il se dit « Something's wrong, really wrong ». Donc il va écrire ses pensées dans un journal qu'il va cacher. Voilà. Parallèlement, on a sa fiancée qui s'appelle Mina. Mina qui a une amie qui s'appelle Lucy, qui va devenir très faible, anémique, somnambule et tout ça. Elle va veiller sur elle et en fait, on va se rendre compte que la petite Lucie est en train de se transformer en vampire, voilà. Donc, parallèlement à ça, Mina, elle va aller chercher Jonathan en Transylvanie avec d'autres hommes comme le docteur Seward, comme son pote là, comment il s'appelle déjà? Van Helsing, qui est un docteur néerlandais également, qui vont du coup se pencher sur le cas de Lucie. Ils vont lui faire plein de prises de... enfin, de... don du sang, comment on appelle ça? Bon bref, ils vont lui donner du sang quoi, et en fait bah il ne se passe rien parce qu'elle est en train de se transformer en vampire. Ils vont vite comprendre qu'il faut tuer cette non-morte parce que cette non-morte enlève des enfants qu'elle qu'elle bouffe là et dont elle prend le sang quoi. Jonathan parallèlement du coup il va être rapatrié par ici, lui il ne va pas se transformer en vampire, je l'aurais cru mais non. Et en fait toute la deuxième partie du roman, même un peu avant, et ben en fait c'est la traque de tous ces personnages là, ils sont un 5, 6, 7, 8, à traquer Dracula en fait, parce que son but c'est de venir habiter Londres, il va faire amener des mâles à Londres, ils vont se demander ce que c'est, et le but c'est de le trouver, de le tuer parce que c'est un vampire quoi. Voilà, donc ils n'utilisent pas trop le mot vampire, parce que vous imaginez bien, c'est quand même fin 19e siècle, 1800 et quelques, il a été publié en 1897, donc ça se passe quand même au 19-20e siècle. Ils ne savent pas vraiment ce que sont ces personnes qui se nourrissent de sang, qui sont pâles tout le temps, et voilà. Mais voilà, c'est un roman assez intéressant du coup, parce qu'on voit un peu d'où vient le mythe du vampire, qui dort dans une espèce de cercueil, que l'ail le repousse, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant, je pensais l'aimer plus, je vous avoue, genre que ce serait un coup de cœur intersidéral. Ça n'a pas été le cas, même à un moment j'en ai eu un peu marre, mais ça va, voilà, un très bon roman tout de même. Donc voilà, c'en est tout pour mes livres lus en février. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu 5 romans avec des nouvelles, 2 classiques, un livre feel good et un livre un peu de conseils et tout ça. Donc c'est bien parce que du coup j'ai lu 2 classiques, un livre en anglais, un classique en français et un roman feel good, donc voilà, quelque chose de plus léger, donc c'est assez diversifié. C'est ce que j'aime lire en fait, de toute façon, lire des genres vraiment différents les uns des autres, pour du coup vous proposer sur mon blog et en vidéo des choses très différentes. Je sais que c'est un petit peu les retours que j'ai, que mes contenus sont assez différents, tant au niveau des sujets que des livres que je lis, donc je suis très contente que ça vous plaise, parce que je vous avoue que quand j'ai créé cette chaîne, enfin avant de la créer, j'essayais de trouver des booktubeuses, j'aime moyen ce terme, mais voilà, enfin des filles qui parlent de livres sur internet quoi. Et je vous avoue que je n'ai accroché littéralement à aucune, parce qu'elles avaient tout un genre très ciblé. C'était soit du young adult, de la fantasy et tout. Et j'ai trouvé ça très dommage de se limiter à un genre qui en plus n'était pas mes genres de prédilection quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens de tous les livres dont je vous parle seront en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également à ma chaîne, ça me prouve que vous aimez mes vidéos et ça me soutient et ça me fait super super plaisir, croyez-moi. N'hésitez pas également à vous rendre sur mon lien Utip, qui est en fait une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités pour soutenir les créateurs de contenu que vous aimez, parce que YouTube ne rémunère pas les plus petits comme moi. Voilà, ça vous prend 5-10 minutes de temps en temps si vous souhaitez le faire, ça me ferait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve sur Instagram, sur Facebook et par ici la semaine prochaine. Bye !